Nous nous trouvons actuellement dans une section qui est dédiée donc à l'archéologie, plutôt pour la période du 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. En fait, au Musée d'art et d'histoire d'Albertville, nous avons la chance d'avoir récupéré tous les objets issus notamment de la fouille de la villa de Gilly-sur-Isère, qui est un village très proche d'Albertville. Et notamment, nous avons pu retrouver donc cette mosaïque qui est derrière moi et qui a la particularité donc d'être une très ancienne mosaïque qui date du début du 2e siècle. Alors, elle semble assez simple, mais à cette époque, il n'est pas encore question de ces très riches mosaïques luxuriantes, polychromes. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une mosaïque noire et blanche avec un motif, encore une fois, qui paraît simple, un motif de losange. C'est ainsi qu'on l'appelle, la mosaïque au damier de losange. Alors, on trouve également dans cette section des objets de la vie quotidienne, et tous ces objets, en fait, permettent de mettre à l'honneur une thématique qui est un peu transversale à l'ensemble des collections du musée d'Albertville, à savoir les échanges, la migration. On peut supposer que pour cette mosaïque, ce sont des artistes de Ligurie qui sont venus la réaliser, et de la même façon, on va trouver dans les vitrines qui m'entourent, par exemple, une poterie réalisée à Lezoux qu'on utilisait à Gilly il y a maintenant 18 siècles. Histoire du musée d'Albertville, nous vous racontons notamment l'histoire de cette ville qui est née en fait en 1836. Avant cette date, nous parlons de Conflans et de l'hôpital sous Conflans qui vont être réunis donc en 1836 pour former la ville d'Albertville. À Conflans, nous avons encore de riches demeures hein, qui témoignent du passé de la cité, et notamment le château de Manuel de Locatel que vous voyez bien sur ce tableau au premier plan. Et quand on regarde plus précisément en bas, de l'autre côté de l'Arly, nous découvrons la ville d'Albertville telle qu'elle existait encore dans la première moitié du XXe siècle. Et notamment, nous découvrons des bâtiments aujourd'hui disparus qui rappellent qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, Albertville était une importante ville de garnison. Il y avait un pénitencier militaire, des garnisons, pour loger le 22e bataillon de chasseurs alpins. La Savoie et Albertville est très fière hein, de ces chasseurs alpins qui vont notamment occuper le lieu où nous trouvons, à savoir la Maison Rouge, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Par la suite, Albertville va perdre ce statut de ville de garnison, mais de nombreux témoignages sont encore là pour le rappeler, comme par exemple tous les forts serrés de rivière qui nous entourent, comme le fort du Mont à quelques kilomètres au-dessus de Conflans. Dans la section art populaire et art sacré, de nombreux témoignages provenant de la Savoie et notamment de Tarentaise témoignent de la foi des Savoyards et témoignent plus particulièrement d'une période très riche artistiquement, à savoir l'époque baroque.
Au XVIIe siècle, un personnage va être très important pour les Savoyards et donc les Conflarins. C'est bien sûr Saint-François de Sales qui se trouve juste à côté de moi. En plus, Saint-François de Sales est impliqué dans la vie des Conflarins puisqu'il va aider au XVIIe siècle l'installation des Bernardines au sein de la cité, Bernardines qui occuperont d'ailleurs la Maison Rouge. Au-delà de la foi, au-delà des rites et croyances, eh bien, ces statues permettent de témoigner d'un savoir-faire pluriséculaire en Savoie. Les dynasties de sculpteurs se succèdent et vont nous permettre d'avoir une riche collection de statues, d'objets de la vie quotidienne, mais aussi de mobilier. Avec une petite nuance à mettre en avant, je dirais, à partir du 19e siècle et même 18e, c'est qu'il va y avoir une distinction entre le mobilier des bourgeois, pour ne pas dire le mobilier des plaines et des villes, et le mobilier de la montagne, des Alpes, où là, l'artisanat séculaire s'exprimera encore au XXe siècle. Donc les Savoyards sont doués de leurs mains, ils ont de la matière première à profusion, à savoir le bois, et ils aiment le travailler. Un objet ne peut pas être simplement utilitaire, enfin si j'exagère un peu, il peut être juste utilitaire, mais ils aiment bien l'orner, le décorer, le sculpter. À l'image de ce beau tacu, comprenez un tabouret de berger à un pied, puisque ce tabouret était lié à hanches avec une ceinture. Eh bien, ce tabouret de berger, qui est présenté à l'envers, a été très richement sculpté et on a une scène avec une vache et un berger. On a également les motifs de rouelles, de rosaces qui s'expriment pleinement. Le bois, on le retrouve donc partout dans les outils, les objets de la vie quotidienne. Et juste à côté, vous avez un espace qui témoigne également de la richesse des savoir-faire pour les autres matières, comme par exemple le cuir, puisqu'il y a l'élevage, il y a du cuir, ou encore les métaux, il y a beaucoup de mines en Savoie, et pourquoi pas aussi la céramique. Les potiers savoyards n'avaient rien à envier aux autres potiers. Après l'agriculture, l'élevage, les techniques et savoir-faire dits traditionnels, le parcours du musée d'Albertville se termine avec une section
dédiée au début des sports d'hiver, pas seulement le ski, mais véritablement tous les sports d'hiver. En effet, aujourd'hui, Albertville est facilement associé aux Jeux olympiques d'hiver, avec la date maintenant célèbre de 1992, mais les Jeux olympiques en Savoie ont commencé dès 1924 avec Chamonix. Et puis, les Jeux, les sports d'hiver, les compétitions, Albertville les connaît en fait avant même la Première Guerre mondiale. En effet, si le ski sur nos territoires est assez récent, il arrive seulement à la fin, l'extrême fin du 19e siècle, très vite, ce moyen de déplacement va être très utile, notamment pour les fameux chasseurs alpins dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également pour d'autres métiers, par exemple le facteur pour se déplacer dans les villages. Bref, de nouveaux moyens de locomotion mis à notre disposition, très vite devenus des moyens de se faire plaisir et d'être compétitif le plus possible. Alors, les skis ne feront pas oublier d'autres moyens de glisse, si je puis dire, à savoir la luge, le patin à glace, on en faisait à Albertville au début du XXe siècle, sur des plans d'eau gelés. Et puis, ici même, vous pourrez retrouver un bobsleigh, l'ancêtre du bobsleigh. On aime à dire d'ailleurs que Jean Moulin, qui a été sous-préfet de la ville d'Albertville entre deux guerres, a lui-même pratiqué le bobsleigh sur les routes gelées d'Albertville et de Conflans. On n'avait pas besoin de pistes à l'époque, tout ça était fait de façon un petit peu plus bricolée. Il faut dire qu'il y avait énormément moins de circulation sur les routes dans les années 20 par rapport à aujourd'hui.